File droit. Qu'est-ce que tu veux faire? Patoche, il faut que je t'explique quelque chose. Dans la vie, on peut pas tout choisir. S.S.Sparta. Adieu, Patoche. Et bonjour, Cleaver. Oh là là, Fildrong, il est méchant. Il fait évoluer son Pokémon et il l'envoie chier. Vraiment, je mets un pouce rouge, lol, MDR, lol, lol, lol. Yo les Trashers, on se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon Insurgence. Et oui, et vous avez décidé que le défi du jour, c'était de faire évoluer Patoche. Patoche qui est, je vous le rappelle, le gros boulet de la team. Et je vous annonce avec plaisir que j'ai passé à peu près une heure et demie, réellement, tuer des Pokémon bas niveau pour pas que Patoche prenne trop de niveau, mais qu'en même temps, il monte son bonheur. Enfin, c'était la merde. Et voilà un random Pokémon niveau 26, et en plus un bon, hein. Et en plus, il fait bide. C'est la merde, non, je vais mourir, on est d'accord. J'ai vive attaque, c'est bon. Ouf. Bref, en tout cas, il y a des Pokémon vraiment puissants hein, dans ces herbes. On va voir. Alors, normalement, j'ai monté son bonheur à Donf. Et si j'ai bien compris, il devrait évoluer au prochain Pokémon. Enfin, au prochain niveau. Allez, courage. Écoute, Patoche, on sait que t'es nul. Non, c'est bon, il rate son attaque. Allez, on peut le faire. C'est la fin de nos souffrances. Patoche, tout pour toi, on t'aime. Même si t'es nul pour l'instant, tu vas évoluer, s'il te plaît. Encore un Pokémon. Encore un Pokémon. Et les Pokémon sont les Pokémon ont le niveau de mes Pokémon à moi. Regardez, Patoche est niveau 28 et les Pokémon que je rencontre dans la nature sont niveau 26. Ok. Ok, c'est le moment. C'est le moment, Patoche. Tu vas enfin évoluer. S'il te plaît, évolue. J'ai passé une heure et demie. Il essaie d'apprendre Reversal. Ouais, vive attaque. Ok. Il évolue, s'il te plaît. Merci. Patoche, tourne en rond. Regardez, ça fait une sorte de tatouage un peu marrant. Oh ouais, c'est fini, Patoche. C'est bon. Elle est bizarre, l'évolution. Après une heure et demie d'XP dégueulasse et de tuage de... Oh, il apprend une attaque de type sol en plus. Oh. Ah ouais, une attaque de type sol. À la place de... Bah, de Reversal, voilà. Ah oui. Patoche est là. C'est lui le plus beau. Alors, ce qui est con, c'est qu'on va pas avoir besoin de Patoche pour... parce que là, il faut qu'on se venge contre ce truc-là, là, qui nous a défoncé, je vous rappelle, avec son Pokémon la dernière fois. Ah, vraiment, hein. Et je sais même pas si je vais pouvoir y arriver, là. Il faudrait une attaque de type spectre, en fait. Si je fais des plénitudes, ça devrait passer. Hop, plénitude. C'est de la stratégie. Stratégie haut niveau. Voilà, exactement. Comme ça, son Pokémon en face, son gros drive là, qui était impossible à gérer. Pourquoi tu spams Imprison? Allez, c'est parti, Psybeam. Là, on va tuer tout le monde. Bon, on tue pas, mais voilà. Et Silverwing va m'augmenter toutes mes stats. Non, tant pis. Allez, Anus. Oui, la dernière fois, je vous rappelle, hein, vous avez vu l'épisode. On s'est fait laminer comme des caca. Et voilà, il recommence à spammer ses attaques à la con, là, stock pile. Mais cette fois, c'est fini.
Putain! Sérieusement? Oh là 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 là. Heureusement, j'ai boosté mon attaque ma défense spéciale. Une super potion, vite. Voilà. Putain, ça tout shot. Allez, tu tiens un point de vie. Oui. Oh mon dieu. Oui. Et on, par contre, niveau XP, c'était bien. On va pas changer de Pokémon, mais par contre, il faut qu'on soigne notre Pokémon. Allez. Allez, Anus, tu peux le faire. T'es le seul qui peut toucher Motisma. Oh non, pitié. Ouais, bah. Est-ce que je vais réussir à toucher Motisma? Il me paralyse. Ouh là là, ça commence à devenir compliqué. Ok, alors par contre, dès que je le tape. Et il a une attaque qui est pas très forte. Oui! Voilà! Alors, Motisma, tu fais le malin? Eh bah, t'es qu'un petit chien! Et tu fais waouh waouh! Ça ne veut rien dire. Ah putain. Alors selon mes expériences et mes tests, je devrais évoluer aujourd'hui, maintenant. Allez, distinguer. 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 Et voilà, après Riolu, voilà le Patoche. Après Patoche, voilà le Osselet, c'est la vie. Regardez, ça fait mais, vraiment les... C'est assez bizarre l'évolution, hein. Wouldn't it be nice to be together? Oh oui, j'ai un ossature. J'ai un ossature et un Lucario dans mon équipe. Mon dieu, regardez mon équipe. Allez, allez, ça rigole plus, hein. Ah, ça rigole plus, hein. Nidoking, ossature, Lucario et Anus. Évidemment, et Bulbizarre, bizarre. Trouver une maison cachée. Oh! Hein? Il a pas de son, il fait pas de bruit. Mais ça a l'air d'être. Oh, j'ai fait le swipe, c'est trop bien. Du coup, il peut pas. Voilà! Il tient avec un point de vie! Oh! C'est un. Il est type électrique, comment il s'appelle en français? Ralts. Bah, c'est le truc qui évolue en garde-voir. Mon dieu. Ah oui, il y avait des gens qui m'en avaient parlé. Je vais t'attraper dans une Pokéball. Bien sûr. On va t'appeler... On va t'appeler... Attends, il y a une data. C'est une Pokémon spéciale... Électrique Glace. Ah ouais, carrément. Alors, je vais l'appeler... On va t'appeler Deltaplane, parce que tu es un Pokémon Delta. Bonjour, Deltaplane. Bienvenue dans mon équipe. Oh, regardez, le Lucario. Il est trop beau, il est trop beau. Je l'aime. Allez, Lucas. Lucario. Lucario. Bonne rush. Bam. 1, 2... Lucario, Patoche, tu continues à me décevoir? Patoche? Patoche! Quoi, Patoche? Mais non, Patoche! Non, ne perds pas ton duel contre un Quilf! Patoche! Tu m'as déçu! Patoche, mais... Je croyais que nous étions... Je croyais que... Et moi qui fait de la merde, du coup. Oui, bon, alors par contre, tu mets des Toxic Spike. Patoche, il m'a déçu! La déception! Patoche! J'étais tellement motivé et... Je me sens trahi. Je me sens trahi par Patoche. Est-ce que je vais perdre?
ce match à cause de Patoche. Oh mon dieu, je vais perdre ce match. Oh mon dieu, je vais perdre ce match. Allez, Anus. Oh, j'en suis empoisonné en plus. Boilé, le poison qui vient maintenant. Oh merde, je suis tellement dead. Non, c'est la faute de Patoche, putain. Con de Patrick, quoi. Allez. Ah bah oui, bah... Le mécanisme du poison tout à fait logique. Bon bah Delta Plane. Ouais bah oui bah c'est... Oh bah lui il a pas été Ok. Ok. Je suis extrêmement déçu. Ok. Patoche, c'était la dernière fois que tu me décevais. Patoche, je suis désolé, mais là... Je suis désolé, Patoche, mais... Non. Je suis désolé. Mais Fildro, qu'est-ce que tu fais? Patoche. Fildro, où tu vas? C'est pas par là! Patoche. Fildro! Mais qu'est-ce que tu fais? Patoche. Tu veux faire dans cette maison? File droit. Qu'est-ce que tu veux faire? Patoche, faut que je t'explique quelque chose. Dans la vie, on peut pas tout choisir. Ah! Adieu Patoche. Et bonjour! Wouah! Cleaver! Adieu Patoche! Bonjour Scyther! Type glace combat! Ah oui! Ah oui, 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 oui! Ah oui! Oui, oui, oui! Adieu Patoche, tu m'as déçu pour la dernière fois. Et du coup, voilà le problème du Pokémon Delta réglé. Et du coup, j'ai pas galéré sur l'XP. Allez, c'est parti. Ah ouais, sudoudou. Cleaver. Bam. Oh ouais, mais il a sturdy. Ouais, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Oh, ça fait baisser la vitesse. Merde. Ah non, c'est bon, il a... Hop. Ok, ah, c'est bon, c'est mon ami. Je suis désolé pour tous les fans de Patoche. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Mais en plus l'expérience qu'il va gagner va être boostée. Alors excusez-moi si c'est pas un truc génial. Patoche m'a trop déçu, hein. Le coup du Quillfish, ça m'a achevé. C'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. Je tiens à dire que c'est à cause de Quillfish et pas ma faute. Si nous n'avons plus Patoche, il a bien mérité. Il met des pics toxiques là. Je crois que je t'ai pas vu. Ah, il veut mettre des pics toxiques hein, quand même. Hop, rien à foutre. Donne-moi ton XP. Tout est fini entre nous. Tout, et cela me rend fou. Tout, c'est vraiment fini, Patoche. Oh, comment je tiens avec un point de vie. Ah là là. Et oui. La légende de Patrick. Ah maintenant on a échangé acier combat contre glace combat. Mais on arrive à la vipixité. Oui.
Oh, ils ont une... Ils ont une... une station d'épuration et ça pue. Magnifique. Quel bonheur. Vivre à côté d'une station d'épuration. Des bons souvenirs d'enfance. Ou pas. Hey, c'est mon copain. Hey, Fifou, est-ce que tu es là? Ok, je suis... D'accord. On a été choisi par Mew et Sammy. Il y a un mec derrière toi. Il a une coiffure encore pire qu'une queue de cheval. Excuse-moi. Excusez mon interruption. Est-ce que vous avez mentionné Mew? Ta gueule! Je lui avais dit de fermer sa gueule! Non, 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 ok. Ouais, casse-toi. Allez, à plus. Personne n'est supposé de savoir. Je sais! C'est toi qui m'en parles! Brutive. Qu'est-ce qu'il est bête, hein, ce mec? C'est ça la gym! Ok, c'est parti! On est dans l'arène! Il faut grimper dans cet arbre. Coucou! Oui! Oh non, pitié! Oh non, pitié! Je déteste ça! Je vois rien! Help me! Où est-ce que je vais? À gauche! Ok, c'est parti. Ok, on va tester notre nouveau Pokémon. Cleaver. On va spammer Ice Ball. Alors au début ça fait pas très mal. Et après ça fait mal. Wow, il gagne de l'XP boosté. Alors là, c'est bon, c'est bon. Ok, tu es mon nouveau Pokémon préféré de la vie. Non, je ne change pas de Pokémon car je continue. Wow, il est immense. Ok, Ice Ball, maintenant. Oh, ho, ho. Cleaver, je suis méchant. Allez, l'XP que je gagne. Faut avoir des Pokémon. Allez, encore. Allez, à plus. Ah bah dis donc, il est plus vénère que Patoche quand même, hein. Et puis en plus il gagne de l'XP boosté. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je l'ai tellement allumé. A few moments later. Ok. Après, bien des galères, parce que quand même, c'était long de trouver le truc. Je suis prêt à face Xavier avec Cleaver. What's good? Mon nom est Xavier. Je suis dresseur de Pokémon de profession. Je suis le champion ici. Tu veux combattre? Ok. J'ai une surprise. Let's get started. Allez, on va dans la bataille. Tu vas pas te retenir? T'as jamais vu Cleaver? Oh oui, avec ton look de merde. Il a 6 Pokémon. Ah, je rate la première attaque, sublime. Oh non. Allez, c'est pas grave, ma puissance va doubler à chaque tour. Tu veux faire le malin? On va voir qui fait le plus le malin entre Cleaver et toi. Bon, un Cleaver, c'est 90 de précision. Maintenant, tu te calmes, hein. Il met des sticky web maintenant. Bon, voilà. Très, très bien. Allez, double l'attaque. Mon attaque double à chaque tour. Enfin, les dégâts doublent à chaque tour. Ok, troisième. Et il essaie de remettre les sticky web. Eh ben dis donc. Et le jus de baie, hein. C'est pas grave, je l'aurai au quatrième. C'est bon, easy, easy. Oh! Alors on fait le malin, hein?
On fait le malin. Heracross. Ok, Heracross, vas-y. Vas-y, viens. Et là, c'est le drame. Ok. Deuxième round. Cette fois, j'ai une nouvelle technique. Parce que j'en ai marre de rater mes ice balls en fait. Je l'ai laissé setup là son shuckle. Donc on va commencer avec distinguer. Vous allez voir. C'est parti. Mon esprit calme. Il va voir qui est meilleur pour son setup. Alors maintenant, à moins qu'il puisse me one-shot avec une attaque de type poison, on va tous les one-shot. Hunter. Ouais, mais je suis à plus 6. Mec, tais-toi. Tais-toi, je te dis. Oh, Psybeam. Voilà. Mais oui. Et Fildrong qui est en train de mettre la pâtée à son adversaire, clairement. Et il est obligé d'envoyer Tentacruel son adversaire. C'est vraiment la honte ultime. Il est obligé de faire des Vénochocs, regardez, ça lui inflige 0 dégâts et hop là, Psybeam. Alors là, par contre, ce ne sont pas les mêmes dégâts que l'on enregistre. Effectivement, Champierre, je commence à parler comme un Allemand, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que je parle comme un Allemand? Ouais, il va faire une attaque de type poison, il va faire poison jab. Mais j'en ai tué trois, c'est bon. Oui, pète-la toi. Non, il a pas. Alors, on fait le petit rigolo. Ah bah oui, hein. Alors lui, par contre, lui, s'il a pas une attaque de type poison, je rigole. On va essayer de se soigner, mais sachez que le travail a été fait. Il peut se reposer, il peut tomber KO. On a largement ce qu'il faut pour finir du coup. Ouais, il a poison jab. Ça va me tuer. Ok, mais... Tu es là. Ok, il lui reste juste deux Pokémon à la con. Et nous on a distingué. Et distingué là. Et distingué, il en a marre que Cleaver lui ait piqué sa place de star de la team. Et Anus aussi, ils sont fâchés, hein. ils sont super vénères, ils sont genre « Putain, Fildrong, tu nous parles mal, il y en a plus que pour lui !» Et moi, je suis genre « Oui, mais c'est parce que vous devez me prouver votre puissance. » Et là, ils font « Ouais, on va prouver à Fildrong que c'est nous les plus forts !» Et là, ils sont genre « Ouais, ouais !» Et là, il est genre « Ouais, je t'envoie un Pokémon qui est chiant !» Mais moi, je m'en fiche. Je suis plus rapide que lui. Oh, comment ça se fait que je suis plus rapide que lui? Il doit tenter des attaques... Ah oui, counter. Je m'en fous. Distingué, tu tombes KO pour la gloire. Et je n'ai plus qu'à envoyer Anus. Et regardez, j'ai fait ça sans Cleaver. Pour la gloire de mon ancienne équipe. Je tiens à le dire. Et regardez, pic. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Anus a dit non. Non. Anus a dit non. Et voilà. Alors, leader Xavier, hein? Tu peux pas croire que t'as perdu? Je t'ai déboîté et Anus évolue. Et voilà. Et il tourne dans tous les sens. Et ça fait une sorte de triangle. Et c'est magnifique. Écoutez. On va avoir un Florizarre de type psy et fée. Un gros tas, hein. Coucou.
Salut, t'as un cristal sur la tête. Magnifique. Ah ouais, t'as perdu. Oh là là. Comment t'as aimé mon bidrill? C'est une méga évolution, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Vénoshock, ça c'est bien ça. Oh, Vénoshock sur Nidoking. Oh là là. Ah ouais. Helios City. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est le... Écoutez. Vénoshock, oui. Oui. Il essaye d'apprendre Vénoshock, mon dieu. Bien sûr. C'est tellement puissant, c'est un stade de... Oh oui, en plus, il connaissait Poison Sting, merci. C'est magnifique. 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 Patoche, ton sacrifice n'aura pas été vain, car sache que, du coup, eh bien, voilà. Es-tu fifou? Voilà, on me parle. Voilà, j'ai une lettre pour toi. Il avait... il était tout en bleu, même ses cheveux. Est-ce qu'il avait une queue de cheval? Ok, cette lettre est pour celui qui a été choisi par Mew. Nous avons votre ami. Voilà, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'aime bien. Alors, le mec me dit, j'ai jeté un œil. En gros, lui, il voit qu'ils ont mon ami. Il me dit juste, c'est par là. Tu sais, voilà, on n'appelle pas la police, rien à foutre. Et c'est pas mon ami déjà. Et puis, je lui avais dit en plus d'arrêter de parler de Mew. Hein, voilà. Donc, vous savez quoi? Qu'il aille se faire foutre et regardez, regardez ce que j'ai derrière moi. Wow. Allez, n'hésitez pas à regarder le défi pour la semaine prochaine qui est en bas dans la description. J'espère que cette chaîne, cette truc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Pokémon Trash, à commenter, à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma propre chaîne YouTube à moi. Oui, je fais un let's play sur Pokémon Révolution Online qui est un MMORPG. Et je prévois de faire d'autres let's play. Donc si vous n'aimez pas la stratégie, vous pouvez quand même venir et puis peut-être vous mettre à la stratégie. Je vous fais plein de bisous et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.